Alors, je suis pas, faut pas de soucis, je suis pas, comment est-ce qu'on dit, je suis Covidé, voilà, j'ai déjà passé, vacciné, et me tomber malade, alors on ne peut plus rendre malade les autres, ça, alors, c'est les résidus, les ratachem. Alors, la paracha de Kitissa est la paracha d'une terrible chute d'Israël. Après une montée extraordinaire, celle de Matan Torah, il y a une chute aussi grande que la montée. Terrible. Alors, on va pas parler de Chet HaEgel, c'est notre chiou de Emouna, mais on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que des hommes qui sont élevés tellement haut vont descendre tellement bas. Alors, le sujet véritablement qu'on va traiter, en fait, le sujet a été demandé par un. Parce qu'avec vous, je fais j'enseigne avec vous le mardi ce que j'enseigne le lundi aux élèves de la Israël de la Yeshiva et qui m'ont demandé de traiter de la question suivante. On voit des rabbanim qui font des choumrot qui sont sévères. Il y a d'autres qui font des coulottes qui sont cool. Voilà, coulottes, cool. Moi, je fais un peu partie de ceux-là. Hein? Et puis alors la question qui s'est posée, d'où on trouve le droit? Comment est-ce qu'on peut se permettre de faire des coulottes? Non? Comment est-ce qu'on peut se permettre de faire des choumrot? Est-ce qu'il n'y a pas une halakha fixe, la même pour tout le monde? Et puis pas qu'on puisse voilà, faire un petit peu comme des vagues, monter un peu, descendre un peu, faire un. Alors ça va être c'est le sujet central. Et cette compréhension de ce qu'est un homme qui va nous expliquer ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël au moment du matin de Torah, pourquoi cette haute montée va amener une telle descente, eh bien, on va commencer par un premier verset qui se trouve dans la paracha de Ré. La paracha de Ré, la Torah nous dit Et kol ha-davar asher anochi mitzaveh etchem hayom tishmeru la'asot. Voici la Torah que je vous ai donnée. Vous la prendre telle quelle. Rien ajouter et ne rien retrancher. Alors l'ordre est bizarre. Qu'est-ce qu'on aurait dû dire d'abord? Ne rien retrancher et ne rien ajouter. Parce que c'est plus grave de retrancher que d'ajouter. Alors l'explication est la suivante. Ne rien ajouter, parce que si tu ajoutes, en vérité, tu retranches. C'est-à-dire que la Torah nous enseigne ici que Kadosh Baruch Hu, dans sa sagesse infinie, il sait ce qu'on peut demander aux hommes. Il faut pas ajouter. Parce que si tu vas rajouter, finalement, tu vas retrancher. Comment? Comme avec Adam Rishon. Extraordinaire. Prochaine citation. Comment tu t'appelles? Israël. Israël. Voilà. Alors Israël nous a donné la clé de la suite. Regardez le verset d'après. Alors que la femme a dit au serpent, on a le droit de manger le fruit de l'arbre. On me prie à Etzachem et le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Amar Elohim, Dieu a dit. Ne touchez pas, ne mangez pas et ne touchez pas. Dit Rashi, aussi que toi tu as dit Israël, aussi fou à l'etzivouille. Elle a rajouté, Dieu n'a pas dit qu'il ne faut pas toucher. Le fikarba, l'idée Giraon, c'est pour ça que ça l'a amené ensuite à faire moins que ce qu'il faut faire. Alors c'est très important cette compréhension. Oui, je t'écoute, Abraham. Ok, certes, on a dit que là, on n'a pas le droit de retrancher ni d'ajouter dans la Torah, sauf que là, à ce moment-là, c'est Akadosh Baruch qui parle à Adam. Donc Akadosh Ouais. Baruch, c'est lui le créateur de la Torah, c'est lui, c'est la Ouais. base de la Torah. Donc forcément, il a donné la Torah, il peut dire des choses en plus à Adam, parce que c'est pas un homme qui va dire à Adam de ne pas manger la Non, pomme. la femme a dit, la femme a rajouté. Dieu Ah, a c'est dit, t'as la pas le femme droit de qui a manger, et puis Ali, on n'a pas le droit de toucher. Ce qu'appelle le serpent, il lui a poussé contre l'arbre. Tu vois, tu as touché, il t'arrive rien. D'accord? Voilà.
Alors, en vérité, c'est un enseignement extrêmement important qu'on a ici. Parce que lorsqu'on t'en rajoute, on ne peut plus faire. Si c'est trop, je ne peux plus rien faire du tout. Les enfants d'Israël sont allés au Sinaï, ils ont entendu la voix d'Hakadosh Baruch Hu. Ils sont élevés à un niveau extraordinaire, mais qui peut-être ne les correspondait pas à ce qu'ils étaient. Hein? Prends un adolescent de 14 ans, dis-lui il faut étudier la Torah 12 heures par jour. Il peut? Ouais. Toi, tu peux. Et beaucoup, ils ne peuvent pas. Il peut, mais sur le long terme, c'est pas... Et qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va même pas faire une minute. Hein? Tu dis, les élèves de Yeshiva vont aller à l'armée. Très important. Chaque moment de libre, étudier la Torah. Hein? Okay. Compliqué. Tu vas lui dire, prends 5 minutes par jour. 5 minutes. 5 minutes, je peux. Peut-être tes 5 minutes deviendront 7, c'est possible. Hein? Mais si on demande trop, ensuite on ne peut plus rien faire. Et ça, c'est une très grande leçon que nous donne la Torah au tout début. Comme la première faute d'Adam Harishon était d'en avoir rajouté. Maintenant, nous savons que les sages d'Israël ont rajouté beaucoup de choses. On fait beaucoup de xérot. Ils ont fauté alors ? Hein ? Ça veut dire qu'ils ont fauté ? Mais non. Puisque eux, les sages d'Israël, ils ont fait. Donc, il faut expliquer pourquoi. Pourquoi ils ont pu se permettre de faire des xérot alors que la Torah nous dit qu'il ne faut rien rajouter ni ne rien retrancher. Alors, quelle est la réponse que vous pensez donner à cette question ? Oui, David ? Pour éviter de ne pas faire même ce qui est à la base interdit. Oui. Les générations changent. Et du coup, la Torah change aussi. Elle évolue. Oui, il y a des évolutions à cause des circonstances qui changent, c'est vrai. Et toi, tu dis qu'il faut faire des barrières, c'est vrai aussi. Mais c'est ce qu'elle a fait Chava, elle s'est fait une barrière, il ne faut pas toucher. Alors, quel est le problème de Chava? Elle a raison qu'il ne faut pas toucher, parce qu'il va toucher, il risque de manger. Non? Alors, pourquoi ce n'est pas bien qu'elle a dit, Dieu a dit qu'il ne faut pas toucher? Parce qu'elle a pensé que c'est Dieu qui l'a dit. Voilà. C'est que Adam qui l'a dit. Raphaël nous a tout dit la vérité. Ah, il a mal lu. Voilà. Raphaël nous explique. On a le droit de faire une barrière, même de faire nous-mêmes des barrières. Hein? Mais il faut qu'on sache que c'est une barrière. Hein? Il faut comprendre. Il faut la distinction, ce qui est une loi de la Torah. C'est une barrière des sages. Pourquoi c'est important? Parce que il y a des circonstances dans la vie. Et qu'on va montrer les sources dans le Talmud, que si c'est une loi des Chachamim, on a la possibilité, parfois en cas de doute, d'être allégé, ou une grande souffrance, etc. Donc il y a une différence. Donc il est important de ne pas tout mélanger, de ne pas dire de ce qui est un minag, c'est une loi de la Torah, faites très 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 attention, c'est très grave. Je ne peux pas faire ça, ben on ne va plus rien faire. Non? Maintenant, si tu sais, ouais, bon, si je n'ai pas pu faire ça, je ne suis pas encore un méchant, je n'ai pas touché l'essentiel. Non? C'est très important. Allez. Alors ça, voilà. Alors ça, c'est ce qu'on a donc étudié maintenant, qu'ajouter à le danger de retrancher. Non? Alors, les Chachamim, ils peuvent rajouter, ils doivent rajouter, même quelqu'un ou soi-même doit se faire parfois une barrière. Je vais donner un exemple. Quand une cigarette par semaine, c'est dangereux? Non. Non. Quand maintenant, quelqu'un qui sait qu'il est, risque de devenir fumeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne faut même pas une seule. Quand alors, il se fait une barrière lui-même. Il sait que c'est une barrière, il n'est pas idiot. C'est qu'il ne va pas mourir parce qu'on en a pris une par semaine, une par mois. Hein? Mais il s'est dit, ah, je prends goût. Hein? Ce n'est pas nécessaire. On peut vivre sans. Hein? Alors, je ne vais pas commencer. Je n'ai pas fait la bracha encore. Baruch ata Adonai Elohim Melech Haolam Shehakol Nehiyah Bidvaro. Mais, Arabe, de nos jours, presque plus personne ne fait la différence. Ça veut dire...
si on dit manger du lait et de la viande, c'est pas marqué dans la Torah. Au final, c'est, au début, c'était juste cuisiner ensemble. Ça, c'est rami. Non. Le lait et la viande, les manger lorsqu'ils sont cuits ensemble, c'est un interdit de la Torah. Parce que le sage nous enseignait que c'est marqué trois fois dans la Torah, l'autre de Bachel, Bachal et Mimo. Et puis, il y a une autre raison aussi, c'est marqué le Tochal Kol To'eva. Ne mange pas tout ce qui ne doit pas être. Or, comme le mélanger. Maintenant, par exemple, attendre entre la viande et le lait, ça c'est sûr que c'est de Rabbanan. Et c'est très important. Pourquoi c'est important? Parce que quelquefois, on va parler des coulots, des allègements. À quelqu'un pour qui d'attendre 6 heures, c'est difficile. Par exemple, il y a des femmes enceintes. Elles ont besoin de boire du lait. Pas toutes, il y en a qui ont besoin. D'accord? La vallée chez l'arabe, elle dit waï, waï, waï. Non, non, non! Interdit, attendre 6 heures! Non! Mais chez Jaskinès, c'est 30 minutes, non? Non, il y a des opinions qui disent que c'est 3 heures, que c'est 1 heure. Est-ce que 3 heures, ça te convient? Oui, on cédère. Tu vois? Attends, si c'est Minatora, il faut que la vie soit en danger pour permettre de manger de la viande. Donc c'est important, tu as un excellent exemple que tu as donné. C'est très important de comprendre cette distinction, hein, qui va être à la base d'allègements qui sont parfois nécessaires de faire à cause des circonstances de la vie. D'accord. Alors, le premier enseignement qu'on va voir là-dessus, c'est qu'il ne faut pas rester chercher de manière systématique la Khumra, ou de manière systématique la Kula. Khumra, c'est la sévérité, ou la Kula. La Gemara nous dit que... Alors, la Gemara nous dit comme ça. Vaha Tanya, c'est dans le quatrième texte. L'olam alakha ke betilel. Alakha comme betilel, mais celui qui veut être mahmir comme bet shamay, il a le droit. Qui dit vrai Beit Hillel, il a le droit. Mikoule Beit Shama ou Mikoule Beit Hillel, Racha. Il cherche toujours la facilité, ça c'est pas bien, c'est méchant. Il cherche toujours les Khumrot, ça c'est pas bien. Aksil Oler Bochosh Oler. Ou bien il fait comme Beit Shama, comme les Khumrot et les Koulot, comme des choses sévères et des choses moins, ou comme Beit Hillel, en tout. Pourquoi c'est mal de suivre les choses sévères? Alors, maintenant, comment? Pourquoi c'est mal de suivre les Khumrot? Alors, la Gemara dit, mais enfin, pourquoi? Qu'est-ce que ça dérange qu'on passe les Khumrot? Là, c'est la Gemara d'après qui pose la question de Rabbi Yohan. Réponse de la Gemara, c'est lorsque les deux Khumrot, elles se contredisent. Alors, je vais donner l'exemple qui est donné, c'est un peu compliqué. Je vous le donne quand même, parce que vous êtes des grands chachamim. Hein? Il y a une bête morte, elle est tméa, elle est impure. Hein? Si elle n'est pas entière, elle ne rend pas tamée. Maintenant, dans la colonne vertébrale, il y a des vertèbres. Il y a une marloket en bête shamay, si c'est une vertèbre ou deux vertèbres. Alors, qui rend la bête qui n'est pas tamée. Maintenant, dire deux vertèbres, c'est une kula, c'est une khumra, ouais, parce que une de vertèbres, elle est encore tamée, hein? C'est une khumra. Maintenant, si tu as accepté cette khumra-là, eh bien, cette khumra, elle devient une kula dans un autre cas. Une bête, c'est un défaut dans sa... colonne vertébrale, elle n'est pas cachère. Une vertèbre ou deux vertèbres, hein? Alors, une vertèbre ici, ce n'est pas une kula, c'est une khumra. D'accord? Vous savez que la même chose, d'accord? Donc tu ne peux pas faire la khumra de l'un et la khumra de l'autre parce qu'elles se contredisent. Ou tu dis que c'est une vertèbre, que la bête n'est plus une bête, ou deux vertèbres. D'accord? Ça fait... Alors, c'est la Gemara dit comme ça. Même chose pour les coulottes. Les Mefarshim, Rishonim disent. Deux allègements qui se contredisent. Ça, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire. D'accord? Mais si c'est deux lois différentes, on a fait la kula de celui-ci et la kula de celui-là, ça, c'est pas si grave. Maintenant, c'est sûr qu'il ne faut pas rechercher la kula, ni rechercher la khumra. Il faut rechercher la émette. Il faut rechercher la vérité.
Parce que pour nous, les mitzvot, ce n'est pas un fardeau. C'est une joie. Donc on veut faire les choses comme il faut. Hein? Hein? Comme si tu fais un dessin. Tu vas le faire bien. Tu vas le faire bien. Va te faire une mitzvah. On va le faire bien. Pas le faire n'importe comment. Quand? Quand? On veut faire Shabbat. On veut faire Shabbat comme il faut. On est de la Zdaka. On va le faire avec le sourire. Quand? Autrement, ça pas. Voilà. D'accord. On va faire les choses bien. On va être généreux. On ne va pas donner un sou. Quand? On va donner un petit peu plus. Quand? Parce qu'on veut faire les choses bien. Quand? Alors, quand la notion de Kula, elle intervient. Comment elle intervient? Elle intervient dans... D'abord, peut-être que je vais rapporter avant ça les paroles du Mesilat Yesharim, c'est la page numéro 2, un petit peu après le milieu. Mesilat Yesharim, c'est un très beau livre. D'accord? C'est au chapitre 13. Alors, Mesilat Yesharim, eh bien, il nous dit qu'il faut que les gens se rajoutent. Contraire de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Hein? Bien entendu, en sachant que c'est une roue, comme on explique. C'est très bien. Pourquoi les gens se rajoutent? Se rajoutent des interdits, qu'ils fassent attention. Hein? Par exemple, il dit on a le droit de manger. C'est pas limité. Hein? Shabbat peut faire des repas. Hein? Et si je suis Shabbat toute la journée en train de manger, j'ai pas fait l'esprit du Shabbat. Hein? Mais. La prière, je l'ai fait vite. Non. Peut-être pas dans l'esprit du Shabbat. C'est pas bien. Ça nous explique le Mesilat Yesharim. Alors, ensuite, il dit, par exemple, quelqu'un qui est parouche, eh bien, lorsqu'il y a une machloquette entre des sages, voilà, va faire la Qumra pour être sûr de ne pas faire la faute. Quand? Alors ensuite, il pose la question, mais si c'est comme ça, pourquoi l'Alakha ne nous a pas dit qu'il faut faire la Khumra? Bonne question. Quand? Parce que lui, Rabbi Moshe Chaim Dutzato disent, attention, on fait attention, il faut être parouche, il faut être acide. Quand? Alors, ils avaient le dernier paragraphe de ce qu'il écrit. « Ve'im tishal v'toma » Si tu vas poser la question et tu vas dire, c'est nécessaire de se faire des barrières pour rentrer, pour ne pas toucher, c'est nécessaire, on ne va pas faire les choses n'importe comment. Pourquoi les chachamim ne nous ont pas obligés? Pourquoi ils ne nous ont pas dit, ne fais pas la tefila de Shabbat moins de 2h45? Quand? Entre les Marocains qui font 4 heures et les Ashkenazes qui font 2 heures, on va être un milieu. D'accord? Voilà. Quelque chose comme ça. Okay? Pourquoi tu n'as pas limité le repas à temps? Hine atshuvam vous ere tupshuta. La réponse est claire et simple. Kilo gazru chachamim gzera eleim konrav atzibou yucholim la modba. On ne peut faire un décret que si ça convient pour le peuple. Le tzibour, il ne peut pas. Il y a des gens qui veulent prier vite. Ça existe. Mais il faut qu'ils aient un minyan pour eux. Et ils aiment mieux qu'ils aillent vite que pas prier du tout. Toute la communauté ne peut pas être des pieux. C'est-à-dire, nous explique ici le Rav Mesilat Yesharim un principe très important. Il y a des êtres et des êtres. Il y a des gens qui, pour qui ça convient. Alors, c'est leur liberté de faire plus, de faire le mieux. Quand? Et puis, il y a d'autres, ça leur est difficile. Alors respecte-les. Alors, à leur rythme. Quand? Alors, mon père m'apportait toujours, puis j'ai vu que Mesilat Yesharim aussi le rapporte, un enseignement de la Gemara de Khulin, de Mar Ukba. Qui c'est Mar Ukba? C'est quelqu'un qui s'appelait Rav Ukba. C'est son nom. Quand? Un grand chacham. Puis il a dit, moi, je suis vinaigre, fils de vin. Je suis très loin
des qualités de mon père. Pourquoi? Vous ou Rav Oukba. Okay? Moi aussi, je suis très loin de mon père. C'est vrai aussi. Okay? Rav Oukba a dit, moi je suis vinaigre, fils de vin. Parce que mon père, c'est un grand sadique. Tu as parlé de Bassar Bachalab, c'est justement là-dessus. Il dit, moi, après la viande, mon père, il attendait 24 heures avant de boire du lait. Et moi, j'attends que d'un repas à l'autre. Alors, pose la question, mais il n'y a qu'à attendre 24 heures, que c'est difficile. Mais il ne ressent pas. Il a dit, je suis vinaigre de vin. De faire quelque chose qui n'est pas obligatoire, si on ne le ressent pas, après, on va tout rejeter. C'est trop. Alors, un enseignement très important. Nous avons la possibilité, chacun de nous, d'ailleurs, le Rambam nous dit, vous savez pourquoi il y a tellement de mitzvot? Ratzah, Kodesh Boruch, le Zakot, et Israël. Comment ça s'est marqué dans Pirkei Avot? Le Figaribalem Torah mitzvot. Il veut purifier Israël, ramener beaucoup de Torah mitzvot. Explique le Rambam, explication magnifique. Il y a beaucoup de Torah mitzvot. Alors, moi, il y a le minimum, on doit les faire toutes. Maintenant, comme il y a tellement de mitzvot, chacun peut trouver la mitzvah qui va s'identifier avec et la faire jusqu'au bout. Il y en a, c'est pour qui les tefillin, avec le Chabad qui vend dans les rues, machin, te mettre les tefillin, magnifique. Et ils font attention à la mitzvah tefillin, avec les autres font la mitzvah tefillin, extraordinaire. Il y en a pour qui c'est la mitzvah tzedaka. Il y en a d'autres, c'est l'étude de la Torah. Vous étudiez tout le temps. Ah, c'est là, mitzvah. Il y en a d'autres, c'est la ferveur à la kavana dans la tefila. Il y en a d'autres, c'est l'enseignement de la Torah. C'est ça qu'ils font, ils font plus que tout le monde. Quand? Il y en a d'autres, chacun il a son truc. Quand? D'autres, c'est d'aller à l'armée et de servir un Israël de manière plus que tout le monde. Venir officier, de se mettre à... Voilà, de faire tout ce qu'on peut. Hein? Il y en a qui sont mitnadvi mamada. Ils font du volontariat pour Magen David Adam, etc. Voilà. Chacun, il a quelque chose. Quand il y a beaucoup de mitzvot, on peut trouver la mitzvah qu'on va faire à fond. Hein? Très bien, de faire des mitzvot qu'on fait vraiment à fond. Hein? Maintenant, ça c'est chacun. Lui, c'est cette mitzvah. Quand? Alors, on voit ici avec l'aide de Mislat et Charim cette notion que la Khumra c'est bien, mais si ça te convient. C'est bien si ça te convient. C'est mal si ça ne te convient pas. Hein? Parce qu'après, ça va te dégoûter, tu en auras marre. Hein? Et maintenant, on va voir une autre Gemara très importante, qui nous permet parfois de prendre en considération des cas particuliers pour faire ce qu'on appelle une coula. Alors, je dois vous expliquer quelque chose. Je dois vous expliquer qu'une question d'Alaha, en général, c'est valeur contre valeur. Alors, la Gemara, elle dit dans Mesechet Brachot, vous étudiez Brachot, non? Non. Non. Quoi? Est-ce que vous étudiez cette année? Tout de suite. En IO, on change de sujet toutes les 2-3 semaines. Et ça dépend avec Gara. Et comment ça s'appelle après pour la BQ, c'est tout comme. En BQ, comme nous on fait. Là, ça prépare, on ne fait pas BQ. Nous, comment c'est pas? On va commencer Brachot. Alors, page 19, non, mais Sechet Brachot. Je ne vous promets pas que c'est exactement. Attends, peut-être c'est marqué. C'est 19. C'est marqué comme ça dans la Gemara. Il faut faire très attention aux mitzvot. Quand? Pour ne pas faire une avéra, eh bien, même si tu dois avoir honte, quelqu'un qui a un vêtement, la Gemara dit, qui est de Kilaïm, c'est du lin et de la laine. Ouais. La laine, il ne savait pas. Donc il voit, il y a du lin, il y a de la laine. Et puis il est dans la rue. Il doit l'enlever. Et la Gemara dit, mais enfin, il va se gêner. Il va enlever sa chemise. Dans la rue. Ouais. Il ne va pas
avoir honte. Il va aux toilettes. Alors la Gemara dit, attention, elle pose la question. Elle dit, mais c'est marqué Gadol Kvod Abriot Shedorke Lotase Shebetora. C'est-à-dire, le respect de la créature, c'est-à-dire de ne pas avoir honte, ça permet même de repousser une mitzvah de la Torah. La Gemara dit, non, c'est pas une mitzvah de la Torah, c'est une question de mitzvah d'Arabanan. Hein? Alors, on voit ici un point très important. Que pour, une mitzvah, pour ne pas, fait, pas faire honte, on a le droit de transgresser une mitzvah d'Arabanan. Hein? Alors, il y a des exemples qui sont donnés dans la Gemara ou dans Rachid. Ben, il y a plusieurs exemples. J'ai un article là-dessus qui va être publié bientôt. On va donner un exemple, quelqu'un qui se trouve aux toilettes. Et puis, il n'y a pas de papier découpé. Wow. Hein? Alors, comme c'est un issou de Rabbanan de découper le papier. Bon, Shabbat. Quoi, Shabbat, oui. Un issou de Rabbanan. Ah, il faut quand même, parce que... Alors, comment? Tu peux déchirer, pas sur les pointillés. Tu peux déchirer, pas sur les pointillés. Exactement. Pourquoi? Parce que Gadol Kvod Abriot. Parce que grand est d'être gêné, d'être honteux, d'être après d'avoir un vêtement sale, enfin c'est Nora. Quand Gemara donne un exemple que, par exemple, Gadol Kvod Abriot, il y a une tshuva assez intéressante. Ce n'est pas dans la Gemara, mais c'est une tshuva. Une femme qui a fait tshuva. Alors avant qu'elle ait fait tshuva, elle avait avorté d'un enfant. Après, elle a fait tshuva, vrai tzadika. Elle s'est mariée. Puis maintenant, elle est enceinte. Voici qu'elle va avoir un garçon. Son mari était Baruch Sheva, il ne connaissait pas son passé. Elle ne veut pas lui raconter. Parce que s'il va lui raconter, il va la jeter. Elle a fait tshuva, c'est fini, elle oublie le passé. Elle va chez le rave et dit, c'est, j'ai un problème. Quand mon mari il croit que l'enfant qui va naître, c'est Bron, c'est un premier-né. Donc il faut faire... C'est un premier-né. Un premier-né. Quand tu as avorté, ça ne compte pas... Donc oui, justement. Alors, c'est un premier-né, il y a une mitzvah de faire Bidlan Bron, de donner au Kohen. Mais seulement c'est un premier-né. Si on avait un avortement avant... C'est compté contre. C'est pas un premier-né, c'est pas Peter Echel. Quand? Même s'il est né, c'est encore c'est voilà, c'est pas pétéré. Alors le machin, alors tu allais voir Rav Ovadia Yosef, il a dit qu'il raconte pas. Il y a donc Kvod Abriot, le respect des créatures. Là, il va faire un issour de faire une bracha de Vatala, c'est un issour de Rabbanan. Et alors, c'est marqué dans la Gemara, il y a donc Kvod Abriot. Voilà un exemple de Kula. Voilà. Hein? Ah, elle est belle, la Torah. Oui. Alors, voilà. Ça, c'est Gadol Kvod Abriot. C'est Dorché Lotassé, c'est pas Torah. Alors, ça, c'est la première page. On va reprendre la deuxième page, donner d'autres exemples. La Gemara a dit Mishir Shir Baderer. Quelqu'un, il est en chemin. Alors, dans le temps, on considérait Rishut Arabim, c'était mis la Torah, de porter dans Rishut Arabim. Il y a des bouchons. On ne peut pas avancer. Il a sur lui plein d'argent. D'acheter son argent. Il n'a pas le droit de porter, c'est Shabbat. Avec Maradi, la Mishnah dit, Noten qui sol nochi. Il donne, met son porte-monnaie à un goy. Et s'il n'y a pas de goy, manichwa la chamo. Il le met sur l'animal. Avec Mara pose la question, Maïtam, je suis les rabbanan, maïté qui c'est le nochi. Pourquoi les chachamim l'ont permis? La Gemara dit Kimlou le Rabbanan et Damabid Asmo al Mamono. Les Chachim savent que le type ne va pas acheter son argent. Alors il vaut mieux qu'il fasse un issour de Rabbanan de demander au Goy de le prendre plutôt qu'il va faire un issour Torah lui-même de le porter. C'est pas joli cette Gemara? Hein? Et voilà encore une Gemara, deux petites Gemarotes de Ktuvot. Quand? Alors, il faut faire très attention avec ce que je vous enseigne maintenant, de ne pas faire du papier collé, enfin du copier-coller. Quand
pour d'autres cas et puis se faire des autorisations comme ça. Hein? Il faut demander toujours à un rab, etc., à chaque cas particulier, parce qu'il faut connaître beaucoup de choses pour pouvoir. Mais c'est montrer ici l'esprit de notre Torah. Hein? Alors, Omar Rabbi Yosef, non, Tanya, c'est Omar Rabbi Yosef, c'est notre Rabbi Merino Somer, Goneach Yonek Halab Shabbat. T'as un enfant, pas bébé, hein, un jeune homme, qui a une maladie et souffre. Et puis pour se guérir, eh bien, il faut qu'il prenne du lait de chameau. Non, pas de lait chameau. De lait de sa mère. Non? Shabbat, c'est un problème. C'est une melacha. Alors, la Gemara dit, c'est permis. Pourquoi? Parce que c'est un issur de Rabbanan, et Mishum Tsar lo gazru Rabbanan. En cas de souffrance, nos sages n'ont pas décrété. Maintenant, il ne faut pas dire chaque fois que j'ai une petite souffrance, je ne fais pas les mitzvot de Rabbanan. Mais c'est un exemple, vous voyez, pour voir des possibilités qu'ont les chachamim de faire une kula. Deuxième exemple, il y a Nachum Ishgalia Omer. Sinon, Chaloubo Kaskasim, sur le toit, il y a, comment on appelle ça, un tuyau. Non, vous savez, pour. Il y a l'eau qui coule. Gouttière. Il y a une gouttière. La gouttière s'est bouchée avec des herbes, des feuilles de l'arbre. Alors, comme la gouttière est bouchée, qu'est-ce qui se passe? L'eau, elle entre dans la maison, ça va casser la maison. Non? Alors, qu'est-ce qu'il dit? De manière discrète, il monte sur le toit, avec son pied, il dégage la gouttière. La Gemara dit, mais enfin, c'est Metaken, il répare le toit. La Gemara dit, fait ça avec son pied, c'est avec un chinouille, c'est de Rabbanan. Comme Seida lo gazru bo Rabbanan. Un cas de perte d'argent, les Chachamim n'ont pas décrété. C'est de nouveau, ce n'est pas universel. On n'a pas le droit de faire tout un saut de Rabbanan pour empêcher une perte d'argent. Mais bon, il faut expliquer pourquoi ce cas-là. Mais vous voyez, de nouveau, c'est peut-être parce que c'est là-bas deux fois de Rabbanan. Et c'est pour deux raisons, c'est de Rabbanan. Mais vous voyez, de nouveau, des possibilités. Voilà. Il y a une perte d'argent. D'un côté, on ne veut pas qu'on perde l'argent. Il y a une histoire de Rabbanan de l'autre. Qu'est-ce qui est plus fort quand? Et puis, on va donner encore un autre exemple très, 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 très important. Il y a les règles Shach, Sifte Cohen. C'est le plus grand commentateur du Shulchan Aruch Yoredea. Yoredea, ça veut dire Shulchan Aruch, il y a quatre parties. Orachaim, c'est ce qui se passe de la journée. C'est les prières, c'est Shabbat et les fêtes. Yoredea, c'est tout ce qui concerne notre vie religieuse. C'est Shkita, c'est Tréfot, c'est Issur Nida, c'est les dîners à Velout, les dîners de deuil. Hein? Ensuite, vous avez Even Haezer, c'est tout ce qui concerne l'homme et les femmes, les dîners du mariage, la Ktouba, les Gittin, Kedushin. Hein? Puis vous avez Choshen Mishpat. Choshen Mishpat, c'est toutes les questions d'argent. Hein? Les questions d'argent. Alors, Shulchan Aruch Yoredea, le commentaire principal, c'est Rabbi Shabtai Akohen Rapaport. Il a vécu à 400 ans. Bon. Rav Weingart, que vous connaissez. Vous connaissez Rav Weingart? Oui, oui. C'est un descendant du char. Bon. De côté de la mère de son père. Rabbi, il y a De fils en fils, là-bas, dans cette famille, il y a des grands amis des Chachamim. Surtout un Shabtai Rapaport, aujourd'hui aussi, qui est Rosh Kolel, grand ami de Chacham. Alors, le Shach, il dit la chose suivante. Regardez, c'est très intéressant. En cas de difficulté, de Shat à Dochak, eh bien, Somchim ala Talmid, Mekom Arab, Issoud Rabbanan, et Mouchat à Dochak. On peut s'appuyer sur l'opinion de l'élève qui contredit celle de son maître, qui est plus cool en cas de nécessité.
וכן במחלוקת יחיד ורבים, aussi dans un cas où il y a beaucoup de sages qui disent une opinion et un qui dit une autre, et puis celui qui dit l'opinion, celui qui est yachid, il est plus cool, d'accord? Alors, somchim ala yachid, on s'appuie sur lui dans un issur de rabbanan, dans un cas de nécessité. Alors, vous voyez ici un cas très très intéressant. Vous savez, il y a des machloket. Ce rav, il permet. Alors, normalement, on va pas chercher la coula, on va faire. Ah, on est un cas de nécessité, il y a une difficulté. Si tu ne vas pas lui permettre, ça ne va pas aller, il va avoir des problèmes de couple, je ne sais pas quoi. Non? Eh bien, on s'appuie sur l'opinion qui est cool. Le Taz va encore plus loin. La question qui a été posée au Taz, c'est une question qui se trouve beaucoup en Chutz Laaretz. La notion de Hadash. Vous savez qu'est-ce que c'est que les issur de Hadash? C'est la nouvelle récolte de blé. On n'a pas le droit de la manger avant le lendemain de Pessah. Donc si par exemple, il y a des endroits où on sème au printemps, non, après Pessah, et on va récolter en automne, le blé, la farine qui va venir de ce blé, n'a pas le droit de manger jusqu'au Pessah de l'année suivante. Issur Hadash. Alors, aujourd'hui en Israël, il y a Ashgacha. Vous avez par exemple sur les pâtes, c'est marqué, il n'y a pas de problème de Hadash. C'est de la farine de l'année d'avant, il n'y a pas de problème. Dans certains endroits, il n'y a pas de problème de Hadash parce que la récolte se fait au mois de février-mars. Alors, il n'y a pas de problème, jusqu'à ce que ça vienne. Voilà. Mais il suffit même que ça prenne racine avant Pessah. Par exemple, si on sème en février et puis qu'on récolte en juin, alors c'est aussi bon. Alors, dans le temps du Taz, en Pologne, il y avait un gros problème. Il y avait beaucoup, beaucoup de Hadash. Et puis personne ne faisait attention à cet interdit. Ils disent, comment c'est possible? Qu'est-ce qu'on va faire? Le Taz, il dit, dans la Gemara, il y a une machloket. Si il y a Hadash aussi en Chutz Laaretz. La halakha, c'est qu'il y a Hadash en Chutz Laaretz. Pourquoi? C'est l'opinion du Rif, du Rambam. Mais il dit, c'est pas explicite dans la Gemara que l'opinion est comme ça. Alors, dans un cas de force majeure comme celui-ci, que les gens ont repère de quoi manger, on s'appuie sur l'opinion minoritaire, même dans un issur Torah. Évidemment, il ne faut pas utiliser ça comme ça. Hein. C'est très. Pas tout le monde est d'accord avec le Taz non plus maintenant. Mais c'est simplement montrer. C'est lorsqu'il y a des grandes nécessités qu'on prend en considération les difficultés des gens pour pouvoir suivre une opinion qui est plus cool. D'accord? Alors, donc c'est important de savoir ça parce que pour soi, il est bien de faire d'être plus rigoureux. D'accord? Mais lorsqu'on a devant soi quelqu'un d'autre, même quelquefois pour soi, on n'est pas toujours, ça ne nous convient pas toujours la rigueur. Quand là, il faut savoir qu'on reste des bons juifs. On a sur qui s'appuyer. Non? Alors c'est très important, cette compréhension que la Torah, eh bien, elle a une certaine marge de manœuvre. Cette marge de manœuvre, elle permet d'une part, celui qui ressent ou qui peut, de pouvoir faire la mitzvah le mieux possible et son mérite devient très grand. Et puis pour celui qui ne peut pas, de savoir qu'il reste à l'intérieur du judaïsme, même s'il a suivi une opinion qui est plus cool, qui est plus légère, plus facile. Et c'est comme ça que notre Torah reste une Torah de vie. C'est une Torah que tout le monde peut respecter, appliquer. Et comme ça, ne pas rejeter les gens parce qu'ils ont des difficultés à faire certaines choses. Attends, il y a sur qui s'appuyer dans ce cas-là, etc. Voilà pour aujourd'hui. Ken, Raphaël, une question. En quoi ça répond à la première question qu'on a eue? Alors, quand ça répond à la première question qu'on a posée, la question de ce qui s'est passé au Sinaï, c'est parce que les exigences
les exigences. Lorsque tu entends Dieu, tu as envie de devenir le plus grand sadique du monde. Et puis finalement, on est tombé. Hein? Et c'est pour ça qu'ensuite, il faut monter petit à petit. C'était une montée très rapide. Alors, cette montée très rapide, qui était au-delà des possibilités du niveau spirituel des Juifs à ce moment-là, ils sont retombés après. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop leur en vouloir. C'est une immense exigence. Tu entends Dieu, why? Tu te dis, mais je ne peux faire que des mitzvot tout le temps. Et puis finalement, tu ne peux pas faire des mitzvot tout le temps. Tu as besoin de t'amuser, tu as besoin de rigoler, tu as besoin de faire la musique, tu as besoin des nécessités. Hein? Mais voilà. Alors ensuite, on a voulu tout jeter. Hein? Elle est tout jetée. La Gemara dit ça dans le Sechet Shabbat, que les enfants d'Israël ont une grande excuse, ils n'ont pas fait les mitzvot après Matan Torah. Pourquoi? Parce qu'ils étaient comme forcés. Vous connaissez l'histoire de la montagne qu'on a mis sur eux. Alors, c'est une parabole, ils n'étaient pas forcés, ils n'ont pas mis la montagne sur eux, ils n'ont pas menacé. Mais entendre Dieu, c'est quelque chose d'une très très grande exigence. On va venir Pourim, c'est bientôt Pourim. Et Pourim, on va revenir à Dieu, mais petit à petit. Voilà. Et comme ça, voilà. Quand ma chair sera là, on va lui demander. Il y a des gmarotes qui disent qu'on va faire comme Béchamas, que ma chair sera là. Il y a des gmarotes, il y a des opinions, je ne sais pas si c'est une gmara, mais qui disent parce que ma chair sera là, on va faire comme Béchamas. Il est plus rigoureux. Il est plus rigoureux. Il est plus dur. Mais c'est pas sûr. Je pense que ça va rester comme aujourd'hui. Ça dépend des gens.